Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce tout nouveau tutoriel sur Forestry. Forestry c'est quoi? C'est en fait un mode pour Minecraft qui vous permet en fait de créer plein de choses, de gérer, d'automatiser par exemple les cultures, de s'occuper des abeilles, d'avoir des nouveaux types d'arbres et des nouveaux types de fruits, mais également avoir des sacs à dos. Vous occupez des papillons aussi, et oui, donc créer aussi des environnements, donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Donc sur toute cette série de vidéos, il y a 12 vidéos en tout, plus celle-ci qui fait 13, vous aurez un aperçu de tout ce qui est possible de faire. Donc dans la toute première vidéo, vous aurez une introduction sur les blocs, les outils, un peu les casings et les choses un peu importantes. La deuxième vidéo, c'est tout ce qui est culture automatique, mais les cultures basiques qui sont à faire au sol, donc pas avec les structures. La troisième vidéo sera tout ce qui est en rapport avec le farming automatique, mais avec les structures, et du coup qu'on peut un peu mixer les deux types, par exemple des arbres avec du blé, etc. Tout ça sur un seul système. La quatrième vidéo va vous montrer exactement comment est-ce qu'on construit ce type de structure. La cinquième vidéo, pardon, sera donc commencera sur la partie abeille, qui vous permettra de savoir donc quel type d'abeille il existe, mais également les petites créations avant, par exemple comment on capture les abeilles, comment est-ce qu'on casse les nids d'abeilles. La sixième vidéo sera comment vraiment la culture d'abeilles. Donc, comment est-ce qu'on va réellement pouvoir cultiver les abeilles, dans quel type d'endroit, et tout simplement comment est-ce qu'on va pouvoir commencer à les muter. La septième vidéo va parler des gros apiaries. Donc, c'est vraiment des grosses structures pour créer, pour avoir beaucoup d'abeilles, pour pouvoir vraiment cultiver en masse et pas gagner tout, petit à petit des petites choses. La huitième vidéo sera tout ce qui est sur le cultivateur, entre guillemets. Donc, par exemple, les habits pour la personne qui s'occupe des abeilles, mais également comment analyser ou également aussi comment créer des bougies, grâce évidemment à nos chères abeilles. La neuvième vidéo va vous parler du habitat former. L'habitat former vous permet de créer vraiment réellement un habitat qui permet de tout simplement vraiment faire une zone tout autour. Donc par exemple, créer dans une plaine, vous pourrez créer un habitat de neige, par exemple. Vous mettrez du froid, il fera très froid, très humide, et du coup, ça permettra de créer une zone spécialement pour les abeilles ou pour d'autres choses dans du froid. Dans la dixième vidéo, on va parler de tout ce qui est papillons. Donc les papillons, chose qui est un peu inconnue dans Forestry, qui n'est pas souvent beaucoup utilisée, je crois, mais qui est quand même assez intéressant. Vous verrez, il y a quelques petites choses qu'on peut faire avec les papillons. La onzième vidéo va parler de tout ce qui est mailing et trading station. Donc vraiment pour commencer, pour s'envoyer du courrier, s'envoyer par exemple des diamants, mais également faire du commerce. Vous pourrez également faire du commerce grâce à tout ça. Donc c'est dans la onzième vidéo. Et la douzième vidéo, c'est en fait la vidéo un peu qui reprend tout ce que je n'ai pas su mettre dans une certaine catégorie et que donc j'ai mis dans cette vidéo-là. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon choix et je vous dis à très bientôt et de très bonnes vidéos. Allez, ciao!